Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode de Spintire Mud Runner sur le déluge. Alors bon, j'essaie d'inviter des potes, tout ça, je vois que personne ne rejoint. Donc bref, on va se lancer ça tout seul, il n'y a pas de souci. J'espère que la capture sera propre également. Désolé pour donc le DLC américain qui n'est pas que je n'ai pas encore fait du coup. Je vais checker quelques camions, j'ai déverrouillé un succès David contre Goliath, c'était très rigolo. Mais ça s'est arrêté là. Ça s'est arrêté là. Parce que j'aimerais bien que le grand Bob émerge. Le grand Bob ayant des petits soucis techniques. Et puis bah, un mode, le DLC sortir en tout sens. Bah, ça s'est toujours pas fait. Donc, en attendant, je me suis dit, bah écoutez, de toute façon, on n'avait pas bouclé le déluge. Donc, c'est parti. Peut-être, voilà. Ah, peut-être pas sur une vraie vitesse à un moment donné. Sinon, les gens vont voir que les épisodes sont volontairement trop longs. Voilà. Donc on va avoine un peu. On va avoine un peu, attendez, parce que là moi il faut que je tourne à un moment donné, c'est ça. On va avoine pas trop. Ouais, c'est bon. Ouais, ça va. Avec des petits surprises, les mecs. Bref. Oh, ça tient. Tiens. Tiens, juste là. Je suis pas du bon côté. Ah là, et là c'est le drap là. Et là on est en première. Ah, c'est pas grave. On passe toujours en véritable première. Les chemins sont cool là pour l'instant. Hein. On sent que c'est vraiment la grande traversée qui va nous donner des soucis. C'est le petit côté aussi qui est pas très joli. Alors oui, j'ai oublié de me mettre. Attendez, excusez-moi. J'ai oublié de me mettre ça. Non, mais non. Excuse-moi, c'est pas ça que je veux. Ça. Voilà, hop. On peut passer par la droite, allez, vas-y. Ils ont des choux. Des choux, des rigolos, comme ça. Ah bah là, ça va jamais pouvoir monter en 1+. Petite esquive de tronc d'arbre à rien. Hein. Presque rien. Là, de la vitesse, hein. C'est un speedrun, attention! Un speedrun de Spintire. Ah, faut pas sauter dans la cabane. Est-ce qu'on peut la voir cette fichue zone? Là, moi, d'après moi, je l'ai mis par là. Donc, est-ce qu'on peut des armes? Oh, petit caillou! Ouais, c'est. Okay, je le vois. C'est la petite tour de gueule là-bas. Vous voyez la petite tour de gueule là-bas? Bon, c'est pas trop bon. Vas-y, on est bien en tout terrain. Vas-y, mets le différentiel. Fais-toi un petit kiff. Allez, vas-y, ma petite. Pousse ton pion, pousse. Allez, on révèle le point. Ça sera bien. Smooth le camion, hein. Smooth hein. Très étonnant, très étonnant je trouve. Very smooth. Alors ce chemin je crois est un faux chemin, je crois qu'on peut pas passer par le bas. Je crois qu'on ne peut passer que par le haut. J'ai pas envie de planter mon camion. Vas-y, ouais. De toute façon, la map en vrai est pas très grosse. On va faire comme ça, on la traverse relativement assez vite. Faudrait que je teste hein, la traversée ici, hein. Mais je crois que c'est pas un bon plan. Ah, je suis sur un pont, et qu'il aime pas trop ça. Ouais, bah, calme-toi. Calme-toi aussi. Vas-y, on va jusqu'à la route. J'étais sur la route et je l'ai pas fait. Pourtant, j'étais à cette.
La route. Ah bah c'est pas du tout par là. Le mec, si je mets pas de points sur mon GPS, je peux perdre tellement 100 fois, c'est incroyable. Bah vous savez, moi, mère nature, hein, je suis pas l'habitude, hein, tout se ressemble pour moi. Dès qu'il y a pas une compte de gazoil dessus, ça y est, je perds. Alors, du gros caillou, voilà, on va prendre des dégâts, c'est gratuit. C'est tout ce qui paye. Ah, c'est bizarre. Ça marche aussi. Je suis preneur. Ok, c'est bon, on est bien. Ah bon, on va encore toucher là. Voilà. Calme-toi. Ça va pas très vite. Hein. Parce qu'on est bien trop vite. La boîte. On va sortir de la boîte. La maîtrise de la boîte, pas des trajectoires, on peut pas tout faire. On peut pas toucher en même temps. On enlève l'intégrale. Ça a commencé à déraper dans tous les sens. Ok. Est-ce que vous avez vu? Bah, je vais l'essayer. Hein. Je vais essayer. Je connais peut-être quoi, mais je suis jamais connu. Enfin, je crois. Voilà les embrouilles. Je vous présente les embrouilles. Et on se jette dedans dans 3, 2, 1, 3. Ok, niveau d'eau extrêmement dangereux tout de suite quoi. C'est genre, ça déconne pas, hein. C'est t'as pas le temps. Ah, est-ce que je serai pas de suivre les lignes téléphoniques plutôt que de suivre la route. Est-ce qu'il n'y aurait pas un début d'idée là-dedans? Ça donne quoi la carte? Série, toute une série d'îlots dégueulasses. Il y a un point de vue ici déjà. Donc si un point de vue là, ça veut dire qu'on peut y aller. J'aime pas ça, j'aime pas ça du tout. J'aurais bien fait un petit suivi téléphonique là-dessus. Le truc c'est qu'après attention, c'est pas la traversée du fleuve, c'est possible que ce soit en vérité pas plus profond que ça. Va bien. Donc ok, à ce niveau-là, on est bien. Ça, c'est le niveau friendly. C'est acceptable. D'accord. Ça, on accepte. Moi, je dis, on se fait une petite liste de... On se fait une petite liste à base de poteaux électriques. Moi, je me sens bien comme ça. Disons que ce serait un génie de design. Regardez, là on est bon, là. Là on voit carrément le bandeau métallique qui maintient la base et on est hyper friendly. Par contre là on le voit moins bien. Là pour ainsi dire on ne le voit plus. Mais le poteau est droit, il est émergent. Wow. Oh le jeu. Jeu sale petit bâtard de jeu. Tu m'as mis dans un trou? Sac à merde. Et on ne peut attacher le treuil à rien du tout.
Et là je vais couler. Parce qu'en fait, t'es un bâtard et t'as mis deux énormes trous. Oh, il a mis deux énormes trous, le sale bâtard. Le moteur. Ah non, je suis vraiment condamné à prendre 1 million de dégâts comme ça là. On voit la tête de l'eau déjà. Plongeur, succès déverrouillé. Métal. Impossible ce que je suis en train de faire, c'est que... Non, arrête tes conneries, vraiment. Vraiment, juste arrête tes conneries. Le tir en deux, il vénère en fait. Genre, ça a l'air tout plat, ça a l'air tout calme, en fait, c'est tout vénère. Tout est ultra vénère. Regarde le machin là-bas. Il va couler là. Là, tu plonges. Ça passe. Ok, donc on sait qu'il y a un poteau qui est un acte de trahison pur et dur. Et en fait, repose juste sur des îlots et genre t'as des gros trous. C'est une arnaque. Ce jeu est une arnaque. Là, on est où en vrai? Oh. Ah, tu vois, parce que les poteaux ils font vraiment le petit tracé là. C'est pas vilain. Hein. On va essayer de traverser ça déjà. Si je peux essayer de voir un gars qui traverse, à chaque fois que je suis preneur. Voilà les strass blanches, je sais pas si c'est. Grand. Aussi hypothétiquement parlant. Là, normalement, on peut atteindre. Là, je vois l'arbre, ça a l'air. Ça a l'air d'être atteignable ça. Ok, mauvaise idée tout de suite. Ah parce que là je suis au bout de ma vie. Donc si je plonge, je suis mort après. Si je fais le con là. Ça m'étonnerait que je sois obligé d'aller jusqu'au nord là. Genre, y a pas de genre. Alors, regarde là, ici, là, on est safe. Arrête de pousser comme Jaja, toi, on est devant tes roues, connard. Fort tirant de flotte, d'accord. Si on peut atteindre ça, c'est moyen. Là, j'ai pas moyen. Je sens le cosmique, je vais aller vers ça, vers le petit poteau là. Petit bout de bois qui dépasse, j'y crois. Wow. On y croit à mort. Ok, on est pas mal. Je survie encore. Bon, le projet de suivre les lignes téléphoniques, ça avait pas l'air d'être si mauvaise idée que ça à la base. Bon, je trahis ça. Ok, non, c'est bon. Je vois ce que j'ai demandé. C'est bon, j'ai bon. Pas de problème. On fait que c'était pas une bonne idée. Pas de soucis. On va tourner avec le camion. Tourne, bah tourne. Allez, utilise tes bras. Utilise tes bras, ma gueule. Bah non, c'est ça. Yeah. Oh là là. Oh, l'absence d'intérieur est tellement incroyable. Ah non, oh, ils ont fait un petit intérieur. Ah, c'est la sobriété. Hein. C'est la Russie. C'est stylé puré. Voilà, alors. Non, pas toi. Pourquoi mon moteur est-il en train de caler? Parce qu'il est en train de forcer contre un objet qui peut plus forcer, il a plus de patates. Ça pourrait être ça. Oh là là, quantité de gasoil dans l'eau. Ah bah, avec l'eau qui crache tous ces trucs dedans là. T'as rien pour te réparer?
Bah si, bien sûr. Suis-je bait? Une roue de secours quand t'as noyé ton moteur, ça c'est la solution à tous tes problèmes. Mec trop violent. Ah ça va, c'est un jeu vidéo, faut arrêter de torturer aussi. Ne gueule plus. Bon, le plein d'essence, visiblement, c'est pas ça. Bon, là, tu fais pas genre, il y a un trou, mec, hein, parce que là, merci. Accepte quoi. Il n'y a pas de trou, là, on voit bien que c'est parfaitement plat. Délicieusement plein. Ok, alors je ne sais pas du tout si c'est par là que c'est censé passer. Mais c'est passé. Bon. Hop là. Je suis passé, hein. Je suis passé, hein. C'est pas genre, hein. Je suis passé. Assistée, c'est la lourdeur. C'est la lourdeur. On passe au milieu, je suis pas sûr non plus. On passe, hein. On teste, hein. On teste des trucs. Des fous. Des fous. Je suis dégoûté pour le coup des poteaux électriques là. Le coup du troisième, je suis traumatisé. Ça y est. Ça y est, on va plus jamais pouvoir parler de poteaux électriques dans le jeu. Ça me rend fou. Ah, visiblement il y a l'air d'y avoir pied par là. Intéressant. Thug Life à fond. Ok. On n'a pas mis pied à terre, je me déteste. Alors, il y a l'air d'y avoir un petit chemin par là, là. Absolument pas du tout garanti. Hein. Allons prendre le zoom de notre future bavure. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, je vois des amas par là. Là, je vois un poteau. Enfin, j'appelle ça un poteau. Hein. C'est pas un poteau, c'est les vieux boulots crevés du coin. Mais voilà, ça a l'air d'être émergent. Un peu comme mon gameplay actuellement, vous voyez. Je me dis qu'il y a une possibilité possible. En fait, il y a un chemin caché par là. Ou alors, je me dis que je vais plutôt là-bas et j'aurai moins d'emmerdes. Ah, j'ai envie de prendre la sauce. Oh, le mec il pionce. Voilà. Un russe quand ça boit pas que ça conduit pas, bah ça pionce. Les nouveaux carburants on est pas fou. Hein. Oh, t'as fini de tourner. Ouais, merci. Okay. Bon, on va essayer de faire un petit tour, on va voir. Bien que le carburant ça commence à être franchement chaud. Le fait d'avoir pris beaucoup de dégâts a fait monter ma consommation sur une très courte période. Elle n'est pas spécialement fin. Pas l'air trop bas, mais ça se passe comment? Un petit dé dans l'eau, ou aller pour combien de temps? C'est ça la question. Ouais, très peu de temps, hein. C'est valable. Hein. Il faudrait presque que je conduise comme ça en fait pour voir le niveau de profondeur. J'avoue, je comprends pas mal. Ça a l'air d'être plus par là. Il a l'air d'y avoir pied. Ok, c'est pas là du tout. Non, je suis en train de paniquer, je fais de la merde. Ok, je vous sors. C'est vraiment juste genre un îlot.
pas mort. Doucement. On va y aller. Doucement. Ouais, c'est pas si profond que ça. Ça a l'air, mais c'est une illusion de petite. T'es quatre. Ça passe, ça passe. Ça passe, ma gueule. T'as plus de puissance, mais ça passe, ma gueule. La misère! Mais monte, putain! Mais monte-le, ton truc, là! Oh, secours! Il est au bout de sa vie, le pauvre! Il a plus de carburant, il a plus rien. Il est au bout de sa life. On le laisse là. Hein. On le dit qu'on le laisse là. On va se chercher un... Bonjour. Un gros. On est sur du gros de type gros là. Ok, mets l'intégrale. Ouh là, j'ai vu la quantité de litres là, j'ai eu mal aux cheveux. Allez, vas-y, roule. On va poule. Bonjour. On avait dit on commence par les poteaux. Vas-y. Succession de totale. Ah nous ici on fait des vidéos du terrain. Il y a toujours le différentiel. C'est pas un camion, c'est un char d'assaut le machin. C'est pas un tracteur non plus, c'est vraiment le char d'assaut. De vrai. Bon, en même temps, à la base, aussi la différence entre le char d'assaut et un tracteur, il y en a pas. C'est fabriqué dans la cuisine. Littéralement. Quand même comme ça. Une belle vitesse. Bascule trop. On bascule trop. C'est un machin aussi pareil à tourner. Je dirais quand même que malgré tout à tourner il est plus quand même plus confort que l'autre. L'autre c'était quand même le roi de la merde. Hein. L'autre à tourner ça tourne pas. Hein. Oh merde le chemin. Non mais il doit y avoir un chemin bien plus confort que ça là, je fais de la merde, c'est pas possible. De la merde quelque part. Quelque part j'ai merdé. C'est celui qui est noyé. Hein. Noyé celui-là. Hein. Faire ça en plus de nuit et tout là, non, ça va vraiment être top comme ça. Bon, on est à rien là. Ah vas-y, je suis sûr, je force, je passe. Hein. Vas-y, force ma gueule. Force, on sort là. Là, regarde, ton moteur il est déjà en train de sortir. Il croit. Hein. Voilà, tu vois. Il y avait rien, il y avait une grosse lacasse quoi. Il y avait un vieux trou. Parce qu'en fait ça se tira pas en vrai, en général. On va faire des petits chutes de cargo si on se gagne. Je ne sais plus par où je suis passé. J'étais passé à gauche. Donc là, déjà direct, hop, mauvaise pioche, on va pas dans le bon sens. J'avais rejoint. Ah oui, j'avais rejoint l'arbre aussi. Nice. On rappelle.
Vous sentez que ma trajectoire est dégueulasse et que c'est pas du tout la trajectoire qu'il faut prendre. Et quelque part, est-ce que ça veut pas dire que mon jeu est bien fait? Parce que quelque part, si on peut devenir un grand fou de la trajectoire alternative, est-ce que quelque part c'est pas la marque d'un bon jeu? Attention, véritable question. Si vous aussi vous êtes créateur de chemin dans le monde du jeu idéal, mettez un pouce bleu. Si vous n'êtes pas encore barré. Si vous n'avez pas déjà fait des sauts dans la vidéo. Merci moi. Par contre, il se fait emporter. Là, je suis pas d'accord. Et donc, comme ça, emporter. Je veux bien qu'il y ait un peu d'eau dans toutes les luges. Là, quand même, c'est pas bon. Ah, est-ce que c'était pas genre là, fallait pas aller en boutique ici, rattraper par là? Je sais plus. Je sais plus, en même temps tu m'iras maintenant cette map a été modifiée. Non, moi j'y jouais quand je l'ai faite. D'ailleurs classique, pas de Netrunner. Allez, on peut le faire. Oh, 25 clics secondes quoi. Allez, 25 clics secondes. Alors, il y a au même à ce niveau-là. La foutre, c'est sympa. Est-ce que je peux me mettre un point là sur. Genre à traverser par là. Faut que j'aille le chercher lui là. Non. Mais non, je pouvais le straffer, non? Bref. Pas le straffer. Ah ouais, tu l'as braqué. On arrête de braquer en fait. J'ai l'impression que je le joue en première ou en boîte auto pour lui, vraiment ça change rien. Ah si, si, j'arrive à passer les troisième à partir du moment où tu passeras les deux. Quand tu liras la troisième, c'est tellement... Parce que les vitesses sur ce camion, elles doivent être... les boîtes de base ou les boîtes de camion, les vitesses sont doublées. La plupart du temps. Donc, on ne fait pas, soit il est très récent, il est bouche de pointe. Soit c'est le camionnet. Et là je pense que là dessus c'est encore le doublé et doublé quoi. En fait pour 3 vitesses c'est de la première tout le temps en fait. C'est juste de la première un peu plus fort. Essayer de vérifier la théorie de du coup est-ce qu'il fallait pas passer par là. Parce que genre par exemple si je vais par là j'ai l'air d'avoir la place pour y aller hein. Par contre est-ce qu'à partir de là ça se met pas à bouger parce qu'il y a un petit îlot là. Ouais, faut peut-être pas aller tout à fait dessus. C'est chaud. Est-ce qu'on peut voir un peu un fond de sol là? Genre un petit peu devant là vite fait hein. Genre vite fait là. Après, ça a l'air d'être le pouf. Hein. Ouais, c'est ça, c'est le pouf après. Ouais, ouais c'est ça, ouais, plan cul. Ouais. Parce que là, nous, on voit même sa petite barrette métallique pas très loin. Mais c'est quand même. Il y a un cratère quoi, au milieu. Au milieu, il y a un cratère. Bon,
temps que ça met à tourner. Ça c'est fou. Et avec la nuit là, voir quelque chose, c'est devenu compliqué. Hein. Ah, je vais pas essayer de voir par là. Son sec, hein. Voilà. Allez, tourne. Petit pote. Ah, les poteaux électriques, c'était la trahison. C'était les poteaux de la trahison. Ah, ils sont sur des îlots. Wow, wow, wow. Ah, je préfère, ouais. Ça a l'air d'être bon. Et on voit quand même beaucoup de branchages. Ouais, pas mal. Ça tient ceinture. Bon, c'est traversé quoi. En vrai ça passe hein. Ouais, en fait en vrai ça passe. On passe sur deux pauvres cailloux nuls quoi. C'est vraiment, on est sur deux cailloux mais ça passe quoi. Mais on les voit pas ces deux cailloux hein. Moi, je pas le jeu mais on va bien les voir les deux cailloux en question. Ok. Donc là clairement de toute façon on va tout droit, même si un truc je m'en balèque clairement. Voilà. Je fais ça. On va prendre un dommage sévère. L'essence. Ce qui veut dire. T'es là ? Non. Ok, moi je peux encore un peu bouger. Ah, je peux plus le tirer parce qu'il n'a plus d'essence ? Non, c'est vraiment ça. Non, je peux même pas le... genre le cadenasser quoi. Par contre non, c'est pas ce que je demande. Ah si, je l'ai recadenassé. Il peut avancer mais il peut pas emmener l'autre con avec moi, d'accord. C'est concept. Oui d'accord, bon, enfin t'es attaché, oui d'accord, il est attaché. C'est quoi, si je le tire avec un frein avant ou quoi, comment ça se passe là? Tu m'enlèves ton frein à main, sale race de tes morts. Ah oui d'accord, donc ok. Tu t'es baisé la gueule tout seul, ok. Formidable. Je suis pas très fan de ce système de je te baisse tes morts. Parce que... Ouais, tu sors de là. Parce que t'as plus d'essence, je mets le frein à main, je deviens un poids lourd et je refuse de bouger. Je deviens un point mort et je refuse de bouger. Donc moi clairement, j'ai pas le choix, faut que j'aille vers la station service.
faut vraiment une souris hein, pour jouer à ce jeu, c'est indispensable. Et après, il faudra que je vienne ici. Voilà. Donc, grosse forêt. Évidemment. Et on va se bloquer dedans si on y va. Je me sens beaucoup plus montagne, donc on va être obligé de faire de la berge. Allez, c'est parti. Un petit jour qui se lève, je dis pas non. Je sais pas ce qu'on veut vous dire, c'est quand vous voulez. Hein. Par pitié, qu'il y a une des morts, faut que tu trouves. À un moment donné, il faut que tu utilises la compétence utilise tes bras, la spéciale utilise tes bras, là, pour tourner ce bordel. Pas tout d'avoir une gueule de hipster, mon gars, mais un hipster russe. Absolument aucune différence, à part qu'il y en a un qui est américain et il y en a un qui dit du Sky et l'autre qui se dit de la vodka, aucune différence. Vous savez, hein, le parfum ne fait aucune différence entre un Russe et un Américain. C'est la même chose. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne s'aiment pas. De manière naturelle. Je ne vais pas pouvoir traverser cette pierre. Ah, je me suis vraiment bloqué comme ça là. La vie est vraiment merdique. Ok. Est-ce que je peux bouger mon cul ? C'est pas dit, hein. D'accord, et j'ai donc pété un arbre. Formidable. On doit arrêter tes conneries, ça. Mais jamais je vais pouvoir passer dans cette forêt, c'est énorme, hein. Après, ça veut dire qu'il faut que je redescende toute la côte là pour aller au chemin qui est ici. Oh là là, la misère du truc, la misère du truc quoi. Et il fait nuit noire, ça rase de ses mains, je peux rien voir, je peux pas essayer de me faire un itinéraire à l'œil. Je suis de merde. Je suis de merde. Pour des raisons de merde. Après, lui, il aura pris que 5 dégâts. Hein. On va longer la berge, j'ai pas trop le choix, mais je crois qu'on est baisé. On est baisé. À cause du carburant, je crois qu'on est baisé. Donc là, si on fait tout le tour, voilà, tu fais OK là-dessus, là, s'il te plaît. Moi tout, faut que j'aille là. Courage. Il y a 130 mètres à faire, ça va être les 130 mètres de l'enfer. C'est parti. À travers bois, mais on sait que c'est une idée de merde. On arrive à passer entre trois troncs d'arbres, on n'y arrive pas. Non, mais sérieusement, mais braque-le, ton captard de ses morts. Reste cool. Thank you.
ça passe. Ça passe. Ça passe. Et si on enlève, ouais, on peut pas. Il faut garder les l'intégrale, c'est obligatoire. On a les pieds dans l'eau. Et les pieds dans l'eau, lui, après, poser de fond si j'enlève l'intégrale. Un petit levé d'intégrale vite fait ici, là. Hop, ok, ça marche pas. Ça marche vraiment pas, quoi. Tu peux pas l'enlever 3 secondes. 3 secondes, tu te mets à fatiguer instantanément. Ok, ici, je vais peut-être pouvoir l'enlever, mon intégrale de ses bords. On a réduit ma consommation. Pareil, j'ai l'impression de poser un truc. Est-ce que j'ai le choix? Mais là, parce que... Oh, bon. Hors intégrale, il roule pas. Voilà. Allez, on va plein d'heures, faut que j'aille jusqu'à la station de carburant. Cool. Oui. En vrai, c'est loin. Oui, enfin, mettons ça par là. Mais il ira très bien. Je sais pas où je vais, ça va. En vrai, j'ai plus marqué le point de vue pour le principe que pour autre chose. J'ai envie d'aller le chercher tout de suite. Surtout s'il est au cœur des forêts. Ça me chauffe très moyen. Ah, il reste déjà plus de 20 litres. Enfin, il reste plus déjà 78 litres. Donc je fais du 20 litres. Je fais du 20 litres. Il reste 3-4 minutes quoi. Bah, arrête de patiner, bordel de merde. À quoi ça sert qu'on t'ait mis d'énormes roues si tu patines dès que le chemin il est plus parfaitement droit? J'hallucine quoi. Regarde ça. De toute façon, il se soulève, il veut se renverser tout seul quoi. C'est dingue. Complètement genre très loin quoi. Faudrait genre que je coupe vraiment. Vraiment je coupe genre comme ça. J'aime pas ce que je suis en train de faire. Ok, la tour elle est juste là, ouais, à la fin. Voilà. Quelque chose. Il reste 3 minutes de carburant. Pétain. Ok, ouais, la station service elle est vraiment. Okay. Je mets bien le ping dessus. Je sais pas si c'est une route ça qui y va ou ça fait vraiment tout le tour là. Il faut vraiment que j'aille là et voilà, j'ai 3 minutes pour y aller. Hein. Parti. C'est tout droit. Hein. Je mange pas ma gueule, c'est tout droit. On va enlever ça entre deux. Je vais remettre. Je vais enlever. Je vais remettre. Ah, ça va être ça. Ah, si, si, il y a une route là. Ah, il y a des télécoms, il y a une route. Je prends un risque là. Ah, les télécoms ils passent au milieu de nulle part. Mec, arrête tes conneries quoi, mais tourne avec ton camion de tes morts aussi là. Oh putain, j'aurais mieux fait de prendre mon 8 roues, lui il obéit quoi. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Vas-y, champion. On est bon. On est très bien, il nous reste 39 litres. Hein. C'était ouf, hein. Il restait presque 2 minutes de carburant. Ouais, bah, je pense qu'on va aller débloquer ce point de vue là. On va d'abord essayer de passer par là. J'aimerais voir un peu le chemin qui mène au garage. Hein? Non, fais pas ça. Calme-toi. C'est parti. Ah, petit garage. Propre tout mignon.
Oh, il y a même une vraie route et tout. Il verrouillé, faut 4 points. Ouais, mets ça sur ma route, voilà. C'est bon, là on peut enlever l'intégrale, on est sur une route normale, hein. C'est bon. Ouais, c'est bon. On a une cabane là-dedans à trouver. C'est chaud. Ah, après vous me direz j'ai la route. J'ai la route, le point de vue on s'en fout, on peut aller récupérer notre camion avant de s'y intéresser. En vrai. Ça va être chiant. C'est parti. C'est parti pour un grand moment d'emmerde. On y va de mon cœur. On va chercher nos 4 points de garage qui traînent dans le marais. Ça c'est bon, pas un marais. Marais aussi, j'avais bien galère à un moment donné avec un véhicule qui s'était planté contre un rocher. Un rocher qui avait décidé d'à moitié bloquer, il s'était bloqué dans le. Entre en gros le, dans l'essieu on va dire hein, de la roue, entre le pare-choc et la roue elle-même, et du coup il me faisait patiner et m'enfoncer dans la boue de manière éternelle. J'allais bientôt creuser sous la map, ça allait être un concept, ça allait se transformer en Minecraft Simulator. J'avoue, je sais pas trop comment le récupérer parce que je ne laisse pas. Allez, arrête-toi. Est-ce que je peux le travailler? Non, je peux pas. Donc j'avance un peu. Sérieux, ça c'est parce qu'il a plus d'essence que je peux plus le trail. Hein. Je propose pas de mettre un trail dessus. Ah, ça y est, ça. Je suis encore là. Ça me dérange pas, on continue de tirer par le cul, hein. C'est vraiment ça me perturbe de zéro. Hein. On peut faire ça, hein. J'adore ça. Ouais, ce qu'on parle du coup, il mange le bol. En fait d'accord, okay. Le camion que j'ai, je viens de découvrir, en fait tout est dans la marche arrière. J'aurais pas dû rouler en avant depuis le début en fait. J'aurais dû rouler en marche arrière. C'est concept, hein. Je vous cache pas que je trouve ça c'est concept. Nous on tire en arrière, on a plus rien à foutre. On emmerde, on tire en rade, voilà, on tire comme un sac, on s'en fout. C'est notre petit sac. C'est notre sac à main, que c'est mignon. Voilà. On le tire comme un sac.
c'est un sac. Par contre, je vais peut-être être obligé de passer un peu plus les pieds dans l'eau. Parce que là, entre deux arbres, on ne passera pas. La petite collinette, là, pareil, ça va pas se faire. Je passe genre là au milieu. Attends, mais bien tes roues droites, ma gueule. Sur la gauche, le léger, là ça serait très bien. On tire un peu droit là-dedans, on peut serrer un peu. Allez, ça passe. Ça passe près. Voilà. C'est passé, c'est très joli. C'est une passion hein, quand même. Voilà. Voilà. Voilà où qu'on en est. Mais non mais pourquoi dès que tu fais A, il veut plus le truc. Bon bref. Hop. On avance, on a notre sac. Le sac avec ses 4 coups de garage. Oh, je commence à avoir pitié de lui, je me dis je vais peut-être me retirer à l'endroit, mais en fait avec lui ça passe tellement bien que il va rouler en marche arrière. C'est l'histoire de marche arrière. En fait j'ai réussi à le tirer de là en étant en marche arrière et en le tirant par l'arrière. En fait je devrais rouler à l'envers. Bon, t'embête pas à essayer de démarrer le moteur, t'embête pas. C'est noyé depuis un moment, t'as bien compris. T'inquiète pas, bon. T'inquiète pas mon gars, on a compris. Passe, hop, oh, passe. Et rien qui se bloque. Mais arrête quoi, avec tes énormes roues. Ça, je trouve ça, je trouve que c'est un gros défaut. C'est que l'autre, avec ses énormes roues, il subit les déformations du terrain. Qu'en fait, il devrait en avoir rien à foutre. Tes roues sont grosses, c'est son monde. Bon, en fait, elles le subissent la déformation du terrain. C'est tellement lourd que tu creuses le terrain en fait. Avant qu'il t'oblige à tourner. Ou alors c'est vraiment que l'engin qui est dessus pèse vraiment un poids monstrueux. Bon, il doit peser un poids monstrueux. Un clair braquable là quand tu vois la gueule qu'il a. Tu payes ta machine de guerre aussi. Graphique à cette à ce treuil. Il aurait pu faire un câble en acier quoi. Ou un genre. Autre chose que juste un bigger câble gris noir quoi. Surtout vu comment derrière il s'emmerde à faire des câbles. Ça a l'air d'être bien parti. Ah ouais, 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 là on est dessus. C'est lancé, c'est lancé là. Ah, on est bien. Ça y est. 2 heures de galère et on en sort. Putain, je vois la capture qui rame, je comprends pas quoi. Vraiment, je sais pas si j'ai un. Mon PC il est vraiment en train de décéder. Hein. Je vous dis ça, mon PC est même pas plus chaud que ça en fait. C'est une merde maintenant. Ça va être bien que le pied claqué. Hein. Ah, c'est peut-être ma carte graphique. Un peu toute sa vie, hein, ceci dit. Ceci dit. 4 ans à tourner des vidéos tous les jours. Il y a moyen qu'il y ait un peu de fatigue. Ouais. C'est bon ? Ah non, c'était bon, c'est pas coupé. Changer de camion. Allô ? Passe-moi deux.
c'est que deux points de garage de Taylor. Ils sont où les deux points restants? Me dis pas qu'il faut que j'aille chercher mes bousins. 4700, non. D535. Ça va pas être lui qui va avoir. Non, ça va être le K700 qui va avoir. Enfin, pas le K700, le 7310. Parce qu'on parlait de carbone. C'est un peu 7310. Oh, le virage de tes morts. 20 ans, on y est encore. C'était d'ailleurs là. Et voilà, direction pas assistée. Certifiée. Hein. Certifier la véritable direction manuelle. On y va, on y croit. On y croit bien, on y croit fort. Oh, bon, je pourrais chercher une tête. On fait un petit arrêt, ma gueule. Ah, c'est bon. On fonctionne. Ouh, incroyable. Je vais néanmoins changer de camion. Je vais ramener lui. Enfin, je vais le ramener. On va pas que le ramener, on va essayer aussi d'aller chercher le fameux point de vue qui est ici. Tac. On va aller se le chercher. Cette vidéo est déjà très longue. Vous êtes déjà tous partis. Ceux qui sont pas partis ont déjà bien plus de. On est ouais, on a tout le temps. On peut aller débloquer les missions. De mon point de vue, ça me paraît bien. De forêt, hein. J'aurais peut-être pu essayer de monter là. Bah non, j'ai dit, c'est très bien, c'est par là. C'est par là qu'il y a le point d'arbre. Dieu, j'ai pris 8 dégâts! Mais je m'en doutais aussi, hein. je pensais bien que un gros truc très lourd avec juste 4 roues, ça allait faire pas mal de patinage certifié par rapport à effectivement un collègue, je dirais qu'on a contre un bal 8 en fait. Hein. Avec plus roues, forcément avec 6 ou 8 roues, t'es tout de suite beaucoup plus convaincant. Avec 3 essieux. 4 essieux, t'es quand même c'est quand même plus cool. Ok, non, pas ça. Ouais. Je
fait tellement la gueule le pauvre. Je devrais pas le prendre. Vraiment, ceci dit, pour aller chercher lui. Hein? Je me fais vraiment jeter depuis tout à l'heure alors qu'il est débloqué. Est-ce que j'ai vraiment fait ça? Non mais je suis très zen. Je suis un exemple de paix et de tranquillité, je pense que. Je pense que vous savez que j'ai pas bu trop de café, donc ça va. Bien qu'on devrait peut-être essayer de rejoindre une route par là. Ouais, ça devrait pouvoir se rejoindre par là. Ça devrait. Alors, premièrement, je vous en prie. Nous sommes point des sauvages. Nous avons 200 dégâts. Nous ne sommes pas en intégral. Nous avons bien sûr le bloc différentiel qui est. Qui n'est pas enclenché puisque nous sommes en boîte automatique et nous sommes donc dans d'autres tanks. Ah, parce que moi j'appelle pas ça autrement en fait. Ah, c'est. Attends, ouais. Ah oui, c'est un double cockpit. Ok, voilà. Ça je crois, hein, je suis pas sûr, mais je crois que c'était un modèle qui était utilisé pour transporter les missiles nucléaires d'ailleurs, je pense. Faire le gros style, tu vois. C'est le gros style. Bon, je veux dire ce qu'il y a, mais c'est le gros style. Allez, balance l'intégrale, on a du carbu sur le dos, on l'a vu. Voilà, on va bloquer le différentiel, voilà, on est bien, on a un pouce, on est bien. Ça ira pas vite, ça ira pas très vite de toute manière. Alors là, on est sur une petite masse de 30 litres, voilà. Je pense que le transformer en camion carburant, c'était un bon choix. Désespéré, ok. Ah bon. On va vérifier. Je vais voir. Tant du poids du cousin. Là voilà, 4 essieux, des bons pneus, on discute quoi. Du pneu large, du pneu très large. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, même si c'est vrai qu'on consomme beaucoup plus, plus d'empattement au sol, c'est un véhicule qui crée beaucoup d'empattement. Voilà, on est ultra stable quoi. On a une piste qui est large sur le sol, on est bien. Voilà, c'était mon avis d'expert du camion. Si on peut appeler ça un avis d'expert. Ok, c'est juste là, par là il y a une boîte. Alors je pense à beaucoup de choses comme ça quand je suis tout seul, mais je suis en train de me dire, là il reste plus que 700 litres sur les 800 initiaux dans le camion. J'ai envie de dire, parce que oui j'ai envie de le dire, donc je vais le dire, à 2 euros le litre,
plus c'est avec lui que je vais aller chercher le 4700 et compagnie là. Parce que lui, tout le gros décor là, il en a rien à péter. Hein. Ah, il en a rien à foutre, lui il roule surtout. C'est pas mon préféré de tous les camions, hein. Parce que celui que je préfère c'est l'autre 4 essieux là. Donc, avec sa tête dans le vide, je trouve stylé. Il fait genre une tête comme s'il avait une tête dans le vide. La route. Non, on n'a pas retrouvé la route. Les Romanes, t'es là à côté. C'est une route aussi, c'est valable. D'ailleurs, ça me fait marrer aussi sur cette map, quelque part. Tout est trempé parce que c'est le déluge. Mais quelque part, le sol, lui, il est super sec. Hein. Il est pas imbibé, pas pour un sou. Merde. Ouais, merci. Ouais, on aurait peut-être pu avoir une boîte de vitesse un peu. Et c'est pas trop fatigué sur la boîte de vitesse, ça reste quand même une boîte de vitesse très sommaire dans un carré noir. Hein. C'est pas trop embêté. Mais c'est pas vu que tu passes des vitesses à un moment donné vu. Parce que t'en as quand même trop. Hein. Automatique à ce moment-là. C'est parce que tu veux pas te lancer. Ah, merci, ouais, lance-toi. Ça a l'air d'être trop ça. Hein. Un des rares camions finalement a très bien supporté la citerne. Hein. Déjà tellement lourd que la citerne ne change plus rien. Oh le fuck, il y a un secours. Dégueulasse quoi. Terrible hein. Ceci dit, on n'a pas trouvé de deux points de garage manquant. De deux points de garage manquant. Bah qui pourrait être avec le K700 quoi. Oh la misère. Misère et les pierres et les misères et les pierres quoi. Ce genre de véhicule quelque part, on se demande pourquoi ils ont fait une boîte de vitesse. Ça sert à rien, tu mettais juste une marche avant déjà. Finalement, ce qui tourne, j'ai envie de te dire. De toute façon, c'est un véhicule qui est conçu pour aller tout droit. Mais voilà, juste une marche avant, une marche arrière pour le style et c'est tout. Ah, et pas de boîte auto, pas de machin, pas de conneries. Mais en sens. Machin va, regarde, à la même vitesse dans tout. Là, je vais dans le haut. Regarde. Est-ce qu'on est ralenti? Non. On va à la même vitesse. On a une petite pente descendante. A-t-on ralenti? Non. On va à la même vitesse. Là, regardez, il y avait une pente ascendante. A-t-on ralenti? Non. On va à la même vitesse. Tout le temps. Ça, c'est la passion. Ça, c'est la passion. C'est un véhicule passionné. Putain, qu'est-ce que je vois ramer l'épisode, là? C'est terrible. Je vois pas ça. Je crois pas que c'est prioritaire sur. C'est mon jeu qui devrait ramer, pas la capture. Ah, je comprends plus rien. Je crois que je suis trop vieux pour ça. Oula. Oula, là, attention, là, on a passé des vitesses. Voilà. Donc là, on est en troisième. Faut le sentir la différence. La seule différence, c'est qu'on consomme plus rien. C'est rigolo. C'est assez rigolo. Un petit peu de boîte auto. Voilà. Paf. Voilà.
caméra. Ouais. On va aller retourner traverser avec lui, hein, parce qu'en termes de moteur, il est haut. Ce qui peut nous arranger. Il faut impérativement qu'on aille débloquer ce point de vue-là. C'est genre, c'est ultra impératif, quoi. Parti. Allez, lumière, action. Et on va encore faire une traversée de nuit. C'est top, je suis tellement content. Regardez comment j'arrive même pas à cacher ma joie. C'est incroyable. Ok, 300 mètres du point. J'ai quand même l'impression que ce sera sur un îlot. C'est pas sûr. Et par là. T'es sérieux là, déjà en train de pédaler dans la school là. Deux coups de poids là, c'est des brindilles. Oh, le mec il se fait emmerder par des brindilles quoi, j'hallucine avec la taille de tes roues quoi. Je me demandais pourquoi tu oublies des coups, vous avez fait une camionnette, des roues de trottinette et puis c'est un truc pour nous. Il fait pas tout emmerder. Non, je devrais pas passer comme ça. Je vois des débris de bois là-bas, c'est-à-dire que ça doit pas être trop profond. Il faut pas croire que c'est profond. Waouh! Est-ce que c'est profond? Ah, j'ai failli y croire. C'était vachement intéressant. Bravo. Dégâts avec ce véhicule. On a pris la max. C'est le moteur spécial insubmersible quoi. Je crois pas encore que j'ai pris le chemin officiel. Hein. J'ai encore fait des tours pour rien là. Tu vas pas te faire emmerder par de bons bois. Ça suffit. Il faut suquer les billettes là en fait, non? Ouais, bon, bah, pas trop chaud, on va passer sur contre ces deux arbres là. Non, je crois pas. Non, on va pas passer. Ça y est, on est bloqué. Au secours. Il faut passer entre deux poteaux, c'est impossible. Ça devient un film. Oh là là, explorer la zone du début. Oh, c'est métal! Bref, c'était métal. Je suis à peu près sur la bonne route en vrai. Ouais. Est-ce que, en fait, on va essayer de se faire un truc à peu près propre. Moi, je voudrais aller là, puis ensuite là. De là, à de là, de là, à de là. Peut-être en passant, peut-être par là. Puis... Mais merde! Voilà, puis là. Là. Et après on verra. Je suis sûr que c'est pas comme ça qu'il faut passer. Mais je crois que je suis déjà passé comme ça. Je crois que j'ai fait genre un truc comme ça. Ah ouais, ou comme ça. Ah mais non, je crois que la vraie technique, c'est en passant genre par là. Je crois que c'est ça la vraie technique. Je crois que ça va être un truc dans ce goulag. Je vais regarder, hop, je vous mets ça. Oh, pourquoi je fais ça? Tiens, regarde-toi, viens ici. Toi, viens par là. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, on peut. Moi j'y crois. Moi je crois en la possibilité de le faire comme ça. J'espère que vous y croyez aussi, parce que si je me suis gouré d'itinéraire, vous sentez que vous encore galérer pendant un moment ou pas? Ah ouais, on est loin des premières cartes qui étaient faciles.
puis en plus là il n'y a pas le grand Bob, alors on s'emmerde, enfin vous vous emmerdez. Oh, dirais moi aussi hein, finalement, faire un épisode sans la mer Pétrole TV, c'est quand même une voie d'emmerder. Alors, est-ce que je devrais tourner, est-ce que je devrais aller tout droit? Finalement, je ne sais pas. Moi je vois des bouts de bois qui flottent à peu près, je me dis je vais les suivre. Voilà, il y a des trains de lumière. Regarde, on voit le reflet, on voit là où il y a de la terre. On est pas mal. C'est pas mal. Ouais, ça sent très bien sur ce coup-là. Le premier coup est une réussite. Premier point de passage incroyable. C'est atteint. Voilà, le petit coup de route. Petit coup de route émergent. Et là le petit coup de route. Je les zappais hein, le petit coup de route. On va tout de suite abandonner, on ne comprend pas. Comme ça, point de passage à temps, c'est beau. Troisième, hein, je crois, non, le deuxième, pas mal, je crois. Ok, voilà, bon, trois, je pense que si on fait tout un peu, en vrai, ça devrait aller hein, si vous n'avez pas fait le légendaire du cratère. Et là, paf, un trou de 15 mètres de profondeur. Le camion il pique la tête en première, tu peux plus rien faire. T'es coincé à l'habitable éternel. Ok, donc là beaucoup de végétaux, beaucoup de débris. Ça se fait tout seul. Hein. Ouais. Voilà. On tape pas, c'est magnifique. Ça passe. Voilà, ça passe tellement quoi. C'est fou. On dirait que ça a été conçu pour passer par là quoi. Un peu pas comme tout à l'heure, vous voyez un peu tout à l'heure ce que j'ai fait, ben, c'est un peu ça. On a l'impression que c'était. Là c'est conçu. Voilà pareil, hein. On va peut-être nous faire un crochet dans les débris plutôt que plonger la tête en premier. Mais bon, finalement ça ira très bien. Ah des rondins, des cortex. Enfin, des arbres bouchés. Vais-je réussir à les passer? Ça passe ma gueule, même là c'est passé hein. Sans broncher. Paf, il faut que tu viennes ici, puis là, puis par là, puis genre par là. Ah. Attends. Oh ouais, donc là je suis obligé de me faire des. Ah ouais, c'est là. Donc là je suis obligé de me faire des points de passage, sinon je me zappe tout seul. Et je vois la route. On va dire que je vais dépiler. À voir, c'est compliqué. Il y a le petit cassette sang. Cassette sang déverrouillé. Et le D535 avec les derniers points de garage, monsieur, s'il vous plaît. Ah, voilà. Pas de point de garage. Oh. Ok. Je me suis fait une frayeur tout seul, mais ok. D'accord. D'accord. En fait, je crois que l'erreur que je viens de commettre, c'est du carburant. Regardez pas. Ça c'est la grande classe. Là tu t'amuses. Là tu t'es dans du bon camion.
pas non plus celui avec son avant de navire, mais il est con. Il voit bien qu'il est con. Bon, on va tenter un petit raccourci. Il se capte pas, il faut que j'aille chercher les remorques de réparation. Je vais tester déjà le jeu. Surtout que je suis même pas sûr que ce soit adapté à ce véhicule. Qui a quand même une morphologie un peu particulière, dirons-nous. En espérant que ce soit les remorques qui se tractent. Tout ce que je peux dire, c'est que j'espère que c'est ça. Je suis dégoûté. Et je vais avoir une vingtaine de minutes de carburant. Une dizaine de minutes de carburant. Une vingtaine, je suis large. Donc c'est pas ça. Erreur de ma part. Attends, t'as peut-être des choses toi. Déjà ça change quelques bricoles. Donc oui, clairement, faut que tu viennes genre jusque là quoi. Et après on tente des trucs. C'est parti. Parti après pour tenter des trucs. De nuit toujours, parce que sinon c'est pas aussi drôle. Et traverser de jour quelque part, est-ce que c'est pas casu? Est-ce que traverser de jour c'est pas un peu casu? Vous avez 3 heures. Moi je suis prof de philo. Dans la vraie vie. Ça serait trop bien comme sujet de vidéo. Enfin, comme sujet de philo quoi. Arrive, tu tombes sur des vrais sujets nuls. Or, est-ce que d'ailleurs, Mad Runner, est-ce que quelque part traverser les régions aqueuses? Majoritairement d'eau, donc est-ce que quelque part ce n'est pas un petit peu casu, est-ce oui ou non casu de traverser une zone aqueuse, donc tout chaud. Voilà. Vous avez 4 heures. Ça serait Tug. Ce serait Tug. Grave. Ouais, bah à gauche. C'est parti. C'est parti, on va à gauche. On va jusqu'à l'arbre. Ah oui, je suis sur directement le deuxième poteau, c'est vrai. Donc, je pourrais peut-être éviter de faire vraiment le sac, faire le petit crochet qu'il y a à faire plutôt que de plonger la tête en premier. Quoi ? Comment ça j'ai la tête sous l'eau ? Prends-moi la tête de là, con. J'aurais dû faire vraiment le petit crochet qu'il y avait à faire. Et ça comme un sac. C'est très bien. Magnifique. Allez. Ouais, bah le seul avantage du gros à 4 roues, hein, c'est que vraiment il est fait pour aller plonger dans cette merdaille.
Ok, bah écoutez, on va se mettre paf un petit point là. Hop là. À croiser les doigts pour se dire que j'ai gardé le bon camion, que j'ai pris le bon camion, parce que si c'est pas le cas, on va bien s'en mordre les doigts. On aura, bah, disons, bien fait tout ça pour rien. C'est génial, cette petite traversée aura été parfaitement inutile. Ah ouais, attention, on est en troisième là, là on a fou. Là on a tout donné. C'est thug. Vas-y, vas-y, plane du camion. Donne tout ce que t'as. Alors, on n'a pas assez de carburant, clairement. Et avance. Peut pas se l'attacher. C'est le seul camion qui peut pas se l'attacher. Parmi tous ceux que j'ai. Si, il y a peut-être le. Parce qu'on a de carburant en toi. Mais toi, avec la tête que t'as, je suis même pas sûr que tu puisses l'atteler aussi. Maudire, notre maudire. J'ai pas commencé encore à transporter le bois, je suis déjà. Ce qu'on va se passer. Y a pas de temps, c'est bien ça. Ouais, écoutez, de toute façon, on va faire le bourrin. On va faire le bourrin. You ce coup. Ici. Voilà. T'es attelé là. Ok, t'es plus attelé. Voilà. Attache-moi cette merde. Voilà, parfait. Allez, salut. Hein. Voilà, on va faire ça comme un bourrin, ça va être très bien. Même les bourrins. Il y a un peu de questions là pour faire. Il me reste quoi là, 5 minutes de carburant. Youpi, méga teuf. Là, il faudrait que je ramène ma citerne de carburant là où il m'a calé. Il y a très probablement à côté d'un des poteaux électriques dans la flotte. On va réduire la consommation tout de suite. On va quand même être en tête. Très vénère. En titre, c'est vénère. Je pouvais atteindre l'îlot du milieu, pas celui-là, le deuxième, déjà c'est ça. Pic de consommation à 30 ou 40 litres, ça la fout mal. Hein. Donc là, normalement, si on tourne par là. Là, normalement, il faudrait pas trop que je fasse des trucs comme un sac, que je me mette comme ça pour voir que le chemin il était à ma gauche, que je l'ai raté. Bien. Ouh.
bah on voit plus rien et que donc on va commencer à se noyer, c'est parti. Alors, en très peu de dégâts, donc ça va. Quelque part j'ai envie de dire c'est acceptable. On peut forcer avec ce camion. C'est pas mal. Parce que si je retire le différentiel, on fait une économie. On fait une économie. Je sais pas si on fait un gain en temps. On fait une économie. J'ai presque envie de te demander si c'était utile de faire une économie, parce que je perds tellement de temps. Quelque part j'ai envie de dire fonction quoi. Ok, bloc de différentiel, c'est mort. Ah, on est obligé de tout sortir. Là on donne tout ce qu'on a. C'est la folie. On donne tout ce qu'on a. On entend la mécanique qui commence à claquer, à cliqueter. C'est que on commence à manquer de carburant. Carburant, mais c'est plus correctement. J'attendrai pas du milieu, c'est ça. Je vais caler au bon milieu de la flotte, comme un sac. Je me demande même si avec mon camion de carburant, c'est pas plus simple de passer par en haut et venir chercher là en fait. Dans la flotte là un petit peu là. Hop, et toi ici il est où non c'est pas toi, c'est moi je crois, non c'est pas toi, non on t'aime bien quand même, oui c'est toi, vas-y mon petit pote, on voit tout ce que t'as. Ceci dit, attends. Peut-être qu'on s'embête pour rien. Ah non, c'est un gros quand même. Non, ce que j'allais dire, ah, sinon je le fais tracter par un pote. Mais ça sent les emmerdes. Le problème c'est que lui aussi il est gros. Il est très gros. Il sent les emmerdes à manier. C'est pas... Je sais pas si c'est le meilleur choix. Parce qu'il a... il a une bonne tête quand même à vouloir s'enfoncer dans le... à devenir un rocher. C'est un cadeau qu'il faut aussi pour à l'occasion, c'est un cadeau. Sur son temps libre. C'est vraiment un cadeau qui aime aider les autres. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, il a une consommation, mais ce qu'il veut regarder. Regardez tout ce qu'on balance par les fenêtres. Écoutez, écoutez. Et l'intégrale et tu consommes plus rien quoi. Bon, entre 1, 2, 3 litres. Bon allez, on va couper la poire en deux, tu consommes 2 litres quoi. LOL, tu consommes que dalle. Bon l'intégrale c'est normal, alors le différentiel en fait je pensais pas qu'il changerait la face du moulin si. Mais ça a l'air d'être tout à fait praticable ça à droite. J'avais choisi d'aller à gauche. C'est cocasse.
quand même, hein. Franchement content. Moi je suis en train de faire le pont, hein. Je devrais peut-être pas, ouais. Mais c'est tellement tentant. On voit quand même ça drague bien là, au milieu. Hein. Il y a moyen qu'en fait ce soit pas du tout là qu'il faut passer. Là, là, là on plonge. Hein. Là, 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 là on plonge en fait. Hein. C'est vraiment. Regardez, c'est 1 litre par seconde. C'est bon ou c'est pas bon? Pour rien gagner en temps. C'est ça c'était vénère. Il va falloir que je fasse ça à chaque fois pour aller recharger en bois la scierie. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ok. Je pense qu'on va couper cette vidéo en deux parties. Parce que maintenant on peut enfin récupérer nos maps. Gasoil, hein, s'il vous plaît, mais alors putain, qu'est-ce que c'est poussif! Faut les gaver après d'injecteurs, des turbos, d'addition. Ouais, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, des merdouilles quoi, à gauche à droite dans tous les sens, on commence à leur donner de la vitesse. Pour l'instant. Pas bien. Alors, ce que
planter directement, genre une coupe à droite là. Tac. Je pense que oui. Je pense qu'on va se tenter ça. Alors attendez, on va se mettre un point. Genre on voit ça dans l'art ici là. Genre ouais, littéralement pas tout droit, comme un gros sac. C'est ça je crois l'intérêt ici. On a des dans une partie où on voit qu'il y a pas mal de branchages tout ça. Il devrait pas y avoir d'apic vénère. Ouais, mais alors, fort déplaisant. J'ai un peu suivi que c'était fort déplaisant. Waouh. La Ferrari. J'aime pas du tout ce qu'elle dit. Je suis pas stable. Il a chier. Il faut dire ce qu'il est. Hein. Il est quand même très maniable. Et il est puissant. Braque bien. C'est marrant parce qu'en fait en vrai il a que des roues droites, c'est vraiment juste l'articulation qui fait le tour. C'est très rigolo. Ça doit faire morfler terriblement ta mécanique qui était ronde, mais ça va être un principe très vénère. Il est où l'autre con là? Il est à côté de la route là. Ah ouais! J'ai tapé le côté, c'est genre je me suis éclaté la gueule. Oh le camion de merde! Non, je teste. Ah bah il était là. Je vais aller trop loin. À la con, t'empêche d'avoir un différentiel. Ah mais c'est sérieux, je peux pas charger. Alors ça par contre, ça c'est chiant. Vu que le véhicule est très long, faut que t'ailles te coller au cul de l'autre qui est devant. Ah la chiantise quoi. Chose que lui j'aille le caler genre là-bas.
comme ça, au cas où il y aurait besoin de carburant par ici, j'aurais quelque chose à portée de main. Ah, ce serait pas con. Ah, ce serait pas con. Mais c'est qu'il aurait presque des idées géniales en fait, le mec. C'est vraiment une galère. C'est que j'avais coupé. Ah ouais, alors faut vraiment que je retourne sur ma pointe là-bas. Parce que là, je vois des petites profondeurs que j'aime pas. Petit tirant. Charge-le, merde! Je vais pas non plus rentrer dedans pour me faire plaisir. Waouh! Bravo! J'ai plus de canon. Mais arrêtez avec votre boîte automatique de vos morts! J'hallucine! J'hallucine, ce jeu me déteste, bordel de merde! C'est pas possible quoi! Sérieusement, c'est vraiment possible d'être aussi con? Tout en marche arrière.
mais ça va. Ma vie c'est de la merde, complètement, y a pas de problème. Est-ce qu'on peut aller sur le K700? Yes. Ah ouais, ouais, j'ai coupé. Ouais. Ah, mais je me serais-je point planté là où c'était déjà le cas précédent. Tu m'emmerdes, toi. Hein. Je fais genre tout tour. Genre. Il va se renverser. On va faire ça. On va faire ça, ton K700 t'es mort. Il est pas assez large pour être à peu près stable. Le seul défaut de ce capteur en plus, hein. C'est vraiment. On large ton K700 et on en parle plus. La mer, quoi. J'espère qu'il y a un succès pour l'ultra pêcheur. Ah, ça, c'est la caravane que j'ai là. C'est la caravane. Bon, bah, tiens, là déjà, hein, c'est déjà ça. Hein. Il y avait un camion avec cette caravane. Ah, est-ce que par hasard on va tenter un petit transport nocturne là? Ah, ah ouais, non, faut pas. Là c'est pas ce truc. Là c'est roulé comme ça. Blague, on le voit presque plus, quoi. C'est là, relâche le monsieur, parfait. Hop, change de camion. Ouais. Je vous jure, je suis pas contrarié. C'est ça, c'est le problème de ce
captar de ses morts, c'est qu'il n'est pas profond. Enfin, il a le... Mais non. Différentiel, s'il te plaît. C'est son problème majeur, c'est que le moteur est trop bas. Donc on va vers une noyade inévitable à chaque fois. Regarde. Regarde. On se noie déjà. C'est le chemin qu'il faut prendre. Et déjà, on se noie. Mais arrête de me dire que mon moteur il va aller dans l'eau là. Laissez-moi jouer à un moment donné avec son camion. Sinon, fallait pas le mettre. Je l'ai pas pris volontairement pour ça, je crois. C'est pas celui-là, c'est l'autre, mais je les ai pas pris volontairement parce que je pensais juste que vous allez être trop bas. Et voilà, on fait encore une traversée de nuit. La traversée importante, on l'a fait de nuit. Avec un camion sec. Par contre, le moteur est de quelque chose. Le moteur il est zen. Alors, ouais, parce que là, par contre, toi là, tu peux passer au milieu, je suis pas sûr. Si ça va, je fais pas chier. La traîne de ma caravane, hein. Rien de la moindre, la caravane. On m'a même pas encore fait 2 km quoi. C'est la honte. On n'a rien parcouru, c'est ridicule. Cette map est juste trop chiante. Toutes les maps sont trop chiantes. D'ailleurs, c'est trop chiant. C'est un peu un reproche que j'avais à faire déjà à Spin Tire. C'est un peu du coup ce qu'ils ont forcément gardé dans Mud Runner. Du côté, on a fait des maps un peu où on est emmerdé en des cailloux, ou l'autre où t'as mis que des bouts de bois, ou l'autre où t'as mis que de la flotte. Je sais pas, mais t'es juste aussi un décor pour nous. Non, on n'est pas forcément obligé d'être dans le défi systématique. On n'est pas obligé de jouer forcément à Casco Simulator. Enfin, c'est pas obligatoire. Moi, si je joue pas à Casco Simulator, je vous rassure, ma vie sera bien. Je vous regrette rien. Je le sens pas. Là, je vois du. Je sens que je prends pas le bon truc. Je sens que j'aurais dû aller plus au nord. Je sens que je vais encore détester ça. Ça va, ça va, ça va, mais le moteur est vraiment bas, hein. C'est vraiment, bon, on sait déjà que c'est pas ce camion-là qui transportera le bois. Ça va être sinon très très compliqué. Arrête de le noyer. Ah, trop bas comme camion. Moteur trop bas. Dommage. Dommage, c'est un camion que j'aime bien. Ça va être embêtant parce que je crois qu'on ne peut transporter que des rondins longs, je crois, comme ça, je crois.
c'est parti. On est bien. À ce garage, hein. Ça va être la fin de la première partie. Alors, bah, tout ça, les épisodes sont courts tout de suite. Hein. Ils sont, hein. J'ai pas quel succès, mais c'est métal! Bref. Oui, on peut pas. D'accord, je suis obligé de... relâcher. De... aller te chercher toi, visiblement. À fond, la caille, à fond. Je prends le différentiel et tout là, je crois qu'on a dedans. T'as plus de patates, t'as plus de pêche, t'as plus rien. Ah ouais, t'es au bout de ta vie. À droite, depuis tout à l'heure je te dis d'aller à droite, pas à droite. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de... direction assistée. D'ailleurs, on n'y croit. Je viens de foutre ma gamme en l'air. Sur un simple petit coup de museau. J'ai un truc de gamme en l'air là. Attelage de remorque. Je ne peux pas. Pourquoi un réservoir vide? Par contre, ça faut expliquer pourquoi un réservoir vide. Un réservoir n'est pas vide. Marie, là. Ouais, je suis marie. Est-ce que je peux sélectionner genre la remorque? Même pas celle-là. Genre celle-là. Non. C'est ce que je t'ai demandé. Non, je voudrais juste qu'elle arque son putain de contenu. Cette grosse merde. Je me demande si je peux faire cette magouille. Alors attention. Moi je dis j'y crois à mort, hein, attention. Donc qui dit j'y crois à mort dit j'y crois à mort. Attention. Vous êtes prêts? Non, vous êtes pas prêts. Je me sens pas tout à fait prêt là. Je me sens pas exactement prêt. Arrête ta bombe, agression. Ça va être pas mal. J'y crois à mort. Mets-nous un peu de lumière. Voilà. On va faire ça comme ça. On fait voir. On va peut-être pas faire du carburant tout de suite. Je pense qu'on peut faire toute la manœuvre. Hein. Moi j'y crois. Hein. Là c'était les magouilles. Hein. Là c'est parti, c'était les magouilles. Hein. Croyez-moi bien. On est rendu à ça. On fait des virages avec beaucoup d'amour. Alors attention. Regardez, ninja. Pourquoi je suis jeune? Parce que c'est plus ninja. Réellement en train de me proposer d'attacher le... Je crois qu'il m'avait fait la proposition. Bref. Non, si. Change de capteur. Je peux pas du tout. Genre pas du tout, je peux.
vraiment rien attelé parce que je suis pété. Parce que mon camion il est cassé. Vous savez, ma vie, c'est vraiment de la merde. Mais le pire, mon gars, c'est que j'ai plus rien pour l'atteler. Parce que lui, là, il peut... Ouais, il y a une chance, hein. Il y a une chance. Ah oui, vous me détestez, mais vous avez déjà rage quitté cet épisode. Ne vous plaignez pas, vous n'êtes déjà plus là. C'est pas vous qui vous faites chier pendant 15 jours. Là je suis déjà direction sud. Ah oui c'est par là. Ouais c'est parti. On va se refaire une petite traversée nocturne. Pas tout, y'a pas de raison. Ah écoute, avec le camion qui patine dès qu'il voit un bout de bois. Il ferait mieux d'avoir un intégral permanent. S'il n'est pas en intégral, il roule pas. Si on a la formation, je lâche. Sur route il en a pas besoin. Ah. Ah oui, non mais les kilomètres c'est par camion, d'accord, on n'a toujours pas fait de kilomètres, c'est quand même grave la honte. Ah, là on voit la lumière dans la nuit, qu'à 700. 700 de la misère. Qui dépanne. On appelle la dépanne. Éviter de repasser tes vitesses là dans la salle de des boulots, c'est quand même magnifique. On va faire ça. Parce qu'on a 5 km déjà avec celui-là. 5 km à faire. Pour les peu de distances qu'on parcourt pas du temps quand même. C'est fou. Hein. De toute façon, 300 mètres c'est plus vite. C'est pas compliqué. À partir de là, t'as bon. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ouais même un deuxième, c'est pas grave. Incroyable. Ça passe. Ça passe. Pas vite, mais ça passe. Parce qu'on est en deuxième quand même. Hein. En fait, il faudra mieux te demander de rester en première parce que ça en fait, t'es tout fait à moitié, t'as deux, je préfère taille en moins. T'avances pas, mais t'avances. Déjà ça. Ah, par contre, le coup de la caravane, c'est vraiment d'abord. Hein. Ça, c'est vraiment. Parce que le jeu, il arrive quand même bien à faire le distinguo entre. Qui est un véhicule, c'est pas forcément le matériel qui reconnaissent le matériel, il n'est pas obligé d'être d'être fixé à un véhicule. D'ailleurs on le voit sur la map. Avec souhait. Ah mes amours, ouais, mais je n'aime personne. Ah oui c'est vrai, j'avais oublié. Non mais il n'y a pas de mal. Ah mais je m'en prie. Ah, je voulais pas vous fusquer, il n'y a pas de problème, je vous fusquais pas. Pour distinguer, monsieur, et personne. Moi, je sais, je suis comme ça. Sinon, entre deux cases de folie, ben voilà. Voilà, en fait, je suis en train de montrer à travers cette vidéo une grande faiblesse de ce jeu très mal fait qui se nomme Red Dead Redemption 2. Ça s'appelle Splinter Mode Order. Cette remorque, je devrais pouvoir la livrer. Elle a été sur site et tout. De rencontre, site internet, site tout ça. Ok, j'insiste pas. Juste dès que j'avais eu comme ça. J'insiste pas, j'insiste pas. Et à chaque fois je fais un truc trop dégueulasse. À chaque fois je sais jamais. Bon bah va pour le truc trop dégueulasse. Hein. C'est vraiment le cas. J'aurais peut-être pas le faire aussi dégueulasse.
peut-être être un petit peu plus dégueu. Peut-être un peu plus comme ça. C'est pas mal, non. Oh, paraît chiant. Ah, ça un peu... Comme d'habitude, il y a toujours un fossé entre deux. Je me demande bien pourquoi, ce cercle-là. On passe. Lâcher cette foutue remorque, hein. Sinon on est bien baisé. On est baisé parce qu'effectivement le seul camion qui pouvait l'attacher bah, est crevé. On aura l'air bien con. Et on aura foutu une partie en l'air. Génial, non? Incroyable. Avec l'autre depuis le début. Attendez, je me déteste 5 secondes. Je voudrais vérifier. Vous n'avez aucun commentaire à faire. Sans vous ne laisserez pas de commentaire, donc tout va bien. Moi je suis calme. Oh, je suis serein, j'ai rien à me reprocher. Tu veux pas me lâcher mon putain de treuil, quoi, c'est ça? C'est vraiment ça le projet. D'accord. Si c'est vraiment ça le projet. De merde. Mais non, mais c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut te mettre, toi? Bidon de carburant. Oh, c'est mignon. Chargeuse. Oh. Marque de réparation, on va te faire foutre. Oh. Du bois moyen.
intéressant. Carburant. Transport de réparation. Ah ouais. Donc je peux te faire un petit bon moyen et la petite chargeuse. Tout mignon quoi. Tout mignon, tout mignon. Il n'y a pas de problème. Paf. Sur toi, t'as quoi? T'as l'attelage remorque. Ok. C'est quoi? Ah oui, c'est de l'utilitaire. Rondin moyen. 4. Ok. Carburant. Rondin court. Remorque chemin. Ok. Tu peux transporter aussi de moyen en fait. Ouais, donc en fait je pourrais ouais, je pourrais presque te charger 4 et 3, 7, ouais, mais j'aurais quand même pas assez. On sera obligé de te garder en gros en l'état. Mon camion fatigué. Celui-là. C'est bon, il est réparé. Oh, je suis content. Ça y est. Il marche. Il est beau, il est frais. Il est tout neuf, bon, faut pas déconner. Il est pas mal. Non, quand on utilise ta roue de réparation, je... voilà, c'est ça. Attelage de remorque, base de groupe. Le biais où tu peux transporter tes 4 points. Le biais avec grue. Transport du rondin moyen. Incroyable. Le pot est diffugé. Ah oui, ça c'est pour transporter du moyen aussi. Ah oui, oui. Transporter du beaucoup. Je crois qu'il faut que je te mette les deux. Hein. Ça fait erreur de ma part. Je crois qu'il faut que je te mette ça. Où est ton dernier chemin? Faut que je suis avancé. Pince de grue. Tourner les angles. Transporte une charge de 4. Ouais, mais je crois pas seul. Je crois qu'il te faut. Je crois qu'il faut tout. C'est pas grave. Tu as tout de toute façon. Donc, pas de soucis. Eh bien écoutez, on a l'air d'être bien parti pour juste faire une petite charge de rondin dans le prochain épisode et tracer avec nos deux camions chargés. Parce qu'on a choisi nos deux camions avec leur grue en plus respectifs. Histoire de bien faire. Sur ce, je vous remercie. C'était Gnafox sur Code Habitude Gaming pour cet épisode qui, je l'espère, n'aura pas trop ramé. Et vous ne serez pas coupé les veines. Vous aurez eu la sagesse de rage quitter l'épisode avant la fin. Sur ce, des bisous et à la prochaine. Ciao.